Okay, that does, we're talking hundreds over here, so. Répétez 100. 100. D'accord. Pour le la classe de français, le maximum c'est 60, mais c'est possible. 100. Ici. Ok. On commence ici avec le groupe numéro 1. D'accord. Le groupe numéro 1. Donc c'est Ray, Christine, Stéphanie. Ce n'est pas Mélanie. Kenya. Ok, voilà. Kenya Akuna, c'est ça? Sometimes I memorize the last names first before the first. D'accord, donc c'est Ray, Christine, Kenya et Stéphanie. Qui est la personne la plus riche ici? Alors, qui vote pour Stéphanie? Elle a un Starbucks, qui vote pour Kenya? La personne a plus. Ok, 1, 2, 3. Pour Christine, peut-être 2, 3, 5. C'est voilà les diamants ici. Qui vote pour Raymond? Ray. Nous avons une personne. La personne la plus riche. Qui est la personne la plus riche? Donc c'est Ray, très bien. Et répétez la classe, combien d'argent as-tu? Et la réponse, Ray, est 52. Voilà, répétez la classe, 52. 52. Voilà, 52 dollars. Et on continue ici avec le groupe numéro 3. Qui est la personne la plus riche? Et on commence avec Jessica. C'est ça. Et très bien, qui vote pour Jessica? Qui vote pour Jessie? 1, 2, peut-être. Qui vote pour... M. Ça commence avec un M. Michelet, voilà. Qui vote pour Michelet? Michelet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Ok. Alors, qui est la personne la plus riche ici dans ce groupe? C'est Michelet, c'est ça? Oui. Ok. Alors, combien d'argent a-t-elle? Ella? 8 dollars, c'est ça? 8 dollars, c'est bon. Et on continue ici avec le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, donc c'est Akiko. Ah, pardon, je rappelle les noms. Ignacio, Sam et Kathleen. Qui vote pour Sam, la personne la plus riche? Qui vote pour Kathleen, la personne la plus riche? Qui vote pour Ignacio, la personne la plus riche? Qui vote pour Akiko, la personne la plus riche? Ah, c'est dans ce groupe ici. Ah, c'est juste trois personnes. Voilà, donc c'est Sam, Kathleen et Ignacio. La personne la plus riche? Ok. Alors, je modifie la question. Okay, je modifie la question. Pour vous, c'est combien d'argent? Quel est le fond pluriel de tu? Vous. Très bien. Et c'est à vous ou avez-vous? Très bien. Avez-vous ici? Voilà. Avez-vous? Donc, je modifie la question pour Ignacio et pour Kathleen. Alors, combien d'argent avez-vous? La réponse? $9. Donc, c'est $9 et $8. Donc, c'est $8 et $8. C'est ça? Répétez la phrase. Nous avons. C'est ça, non? Nous avons $8 et $8.
C'est ça? Donc voilà, nous avons 8 dollars. C'est la réponse ici. Très bien, maintenant on continue avec le groupe de Akiko. Donc c'est Akiko, Adrien, Bijan et Diego. Okay. Alors qui vote pour Diego? Ok, merci Kélian. Qui vote pour Akiko? Okay, nous avons quelques personnes. Qui vote pour Adrien? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui vote pour Bijan? Bijan, ok. Ok, et la réponse, qui est la personne la plus riche? Alors, c'est Akiko. Alors, Akiko, combien d'argent as-tu? 35. Très bien. 35. Répétez la phrase, 35 dollars. Très bien. Et finalement, nous avons le groupe de Tania, Lexi et Maleni. D'accord? Qui vote pour Maleni, la personne la plus riche? Ok, voilà, 1, 2, 3. Qui vote pour Alexis, la personne la plus riche? Ok, 1, 2, 3. Qui vote pour Tania, la personne la plus riche? Oh, waouh. Ok, je pense que c'est les diamants, les rubis. Ok, la réponse. Voilà, donc c'est Alexis. Alors, répétez la classe. Combien d'argent as-tu? We're talking hundreds here. Okay. Alors, la réponse? $300? Wow! Voilà, approximativement, c'est ça? Approximativement, c'est ça? Oh, plus! Voilà, plus de $300. Ok, donc c'est entre 300 et 400 dollars, c'est ça? Entre 300 et 400. She doesn't want to give the exact amount either. For security purposes. Donc, 300 à 400 dollars. Ok, donc ça c'est clair. Qui est la personne la plus riche dans la classe? C'est Alexis, très bien. Alors Alexis, tu nous invites un petit Starbucks pendant la pause? Oui, c'est possible. Hein? Ok, donc voilà la personne la plus riche dans la classe. Et répétez la classe. J'ai. Tu as. Il a. On a. Elle a. Par exemple, elle a 300, entre 300 et 400 dollars. Ah, ici. Répétez, nous avons, vous avez, ils ont. Donc voilà, vous avez le verbe avoir. Okay. Pour finir la conclusion, nous avons la question numéro 4. Quel âge as-tu et est-ce que tu as faim? Ce sont des expressions avec le verbe avoir. Okay. Ce sont des expressions avec le verbe avoir. Pour numéro 5, est-ce que tu as faim? Il y a deux réponses possibles pour numéro 5. Est-ce que tu as faim? Il y a deux réponses possibles pour numéro 5. Okay. Réponse numéro 1. Donc oui. Est-ce que tu as faim? Donc oui. Et la réponse, regardez. Tu as faim. Tu as faim. Et la réponse? Exact. Voilà la réponse. Oui, j'ai faim. Donc j'ai faim. Je voudrais une pizza, une salade, un burger. D'accord? Donc ça c'est oui. Oui, j'ai faim. Et négatif, il y a deux expressions nécessaires pour négatif. La forme négative. Non. Ne et pas. Et pas. C'est un jeune, c'est ça. Voilà. Et après ça forme un sandwich, n'est-ce pas? Ça forme un sandwich. Ici. Qu'est-ce qui est nécessaire ici? Le verbe. Très bien. C'est ça, le verbe. D'accord? Voilà, ça c'est le verbe. Et la forme négative, c'est je. Très bien. Verbe. Voilà. Et après, pas. Ok? Et ça continue. Ça continue après. Et je n'ai pas. Okay. Est-ce que c'est possible la classe? Non. Quel type de lettre? S-A. C'est une voyelle ou une consonne? C'est une voyelle. Okay, donc, voyelle, c'est une situation spéciale. D'accord? Donc, vous éliminez la lettre E ici et apostrophe. Okay? Et après, c'est répétez la case né. Né. Très bien. Okay? Ici, l'apostrophe est nécessaire, oui ou non? Pourquoi? La lettre E.
La lettre A, c'est une voyelle, exact. Oui, c'est la lettre A, c'est une voyelle. Donc attention, il y a je qui change à j apostrophe, ne qui change à n apostrophe, et aussi que qui change à qu apostrophe. Donc voilà les trois petites exceptions. Et les trois petites exceptions. Il y a plus, mais pour la classe de français, juste trois. Un, deux et trois. Et après, c'est fini. Juste pour la classe de français. Ok, donc voilà, je n'ai pas faim et j'ai faim ici. Donc voilà. Quel est l'opposé de faim? J'ai faim, l'opposé? Quel est l'opposé? L'opposé? Soif. Très bien. L'opposé, c'est soif ici. Okay. Et attention, I think your book has a typo because I didn't include these two expressions on page 69. So maybe just write them down. So avoir faim et avoir soif. They use them in the homework and in explanations, but they don't write them in the little list of expressions on page 69. So I'm just going to jot them down there. Because to be hungry and to be thirsty are really common, as you can imagine. D'accord? Donc voilà, j'ai faim et je n'ai pas faim, c'est négatif. Ok, finalement, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Et encore, regardez, as-tu? Ok, la réponse? Très bien, j'ai, et après, en numéro, plus d'expression 1. Et par exemple, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, 22 ans, etc. Ok, donc là, ça c'est un exemple. Et quel âge as-tu ici? Okay. Alors, j'ai 20 ans. Le professeur, quel âge? Voilà, j'écris ici la question. Quel âge? Est-ce que c'est correct, oui ou non, la classe? A-il? Regardez, c'est une consonne, une voyelle. Voyelle, consonne ou voyelle? Voyelle. Donc voilà, deux voyelles. Il y a une lettre nécessaire. Okay. Exact. Très bien. Donc, voilà. Donc, quel âge a-t-il? Donc, le professeur, quel âge a-t-il? Posez la question à votre partenaire. Le professeur, quel âge a-t-il? Approximativement, quel âge a-t-il? Posez la question à votre partenaire. Voilà. En français, en français. Quel âge a-t-il? Oh, oui. Okay. On commence avec des réponses. Okay, donnez-moi trois réponses. Okay, donc, quel âge a-t-il? La réponse? Il a trois réponses. 25, merci. Voilà, 25 ans. Ça commence. Deux autres réponses. Adrien. 37 ans. Okay. Et troisième réponse. Oui. 42 ans. 42 ans, 37 ans, 25 ans. Une autre, un bonus. Une réponse bonus. Qu'est-ce que c'est, Jesse? 34 ans. Donc voilà, il a 25 ans, il a 37 ans, il a 42 ans, il a 34 ans. Et la réponse est non, non, non et non. Ok. Donc, posez encore la question à votre partenaire. Last chance. Mais c'est ici. It's within these limits. Posez la question à votre partenaire. Allez, posez la question à votre partenaire. Ah, alors, il a quel âge? Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Dernière réponse. Oui,
Ok, la classe. Quel âge a-t-il? Deux réponses maintenant. Bonjour. Deux réponses. Catherine, peut-être? 29, merci. Catherine. 29 ans. Et une réponse numéro 2. 32, c'est ça? 39. Diego, ok, et voilà, et la réponse est non, et la réponse est non. La réponse correcte c'est 30, voilà, la réponse c'est j'ai 30, enfin presque 35 ans et 36 en le 29 septembre. Presque 36, donc voilà, ça c'était bien. 34, j'ai 35 ans. J'ai 35 ans. 42, non. 37, non. Donc voilà, ça c'est moi. Ok, répétez la classe. Quel âge as-tu? Ouais, c'est dans le quiz. Voilà. Quel âge as-tu? La réponse, répétez, j'ai. J'ai. Après le numéro et l'expression. L'expression est nécessaire, oui ou non? Oui, absolument, c'est nécessaire. Donc, j'ai 35 ans. J'ai 35 ans ici. Ok, donc la question c'est quel âge as-tu? Et nous allons former. Nous allons identifier le bébé dans la classe. Qui est le bébé dans la classe? Donc voilà, c'est une activité, un petit peu d'exercice. Donc nous allons former, voilà, nous allons former une ligne de personnes. Le bébé, les bébés ici, d'accord? Et après, hein, les signeurs ici, d'accord? Juste en français, juste en français, zéro anglais, pas d'anglais. Hein, question, quel âge as-tu? Répétez la case. Quel âge as-tu? Réponse. J'ai 20 ans, 18 ans, 21 ans, 22 ans, etc. Voilà, c'est tout. Est-ce que 3 minutes est suffisant? 4, peut-être 4. Ok, les bébés ici, et après les signeurs là. Et posez la question, quel âge as-tu? C'est similaire à moi, hein. Donc ici, ici c'est bon, ici. Voilà. Ok, intéressant. Oh man. Voilà, nous avons les bébés, nous avons les signeurs. Ici. Ok, on commence ici. Répétez la case. Quel âge as-tu? Quel âge très bien. Juste par curiosité, quelle est la question formelle? Quel âge? La version formelle. Avez-vous? Vous, c'est formel, hein, pour c'est formel. Donc quel âge avez-vous? Ou ici quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Commence ici. Alors quel âge as-tu, Michel? J'ai 32. Alors 32 café, 32 chocolat, 32. Oh, exact. Très bien. Après, tu vas 30. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc j'ai 32 ans. J'ai 32 ans. Très bien. Quel âge as-tu? J'ai 31 café, chocolat. 31 ans. Très bien. Exact. J'ai 30 ans. 30 ans, très bien. J'ai 28 ans. 28 ans.
J'ai 27 ans. 27 ans, très bien. J'ai 26 ans. 26 ans, très bien. J'ai 24 ans. Donc ça c'est populaire, 24 ans. Quel âge as-tu? 19 ans. Ah, donc voilà, c'est ici. Donc c'est vraiment juste une personne, donc c'est ici. Une applause pour notre bébé. Bon, les bébés ici. Le groupe le plus grand, quel groupe le plus grand ici? Peut-être 24 ans, n'est-ce pas? 24, 25 ici. Et après, c'est 18, 19 aussi. Donc, il y a deux groupes. Ah, et aussi 30, n'est-ce pas? Donc c'est le groupe 30, c'est 30 ans, 31 ans, 32 ans et 35, 36 au septembre, donc ici. Très bien, donc une applause pour la classe, merci, très bien, bravo. Vous pouvez retourner à votre place avec votre place. Et après, je vous explique. Ok. Et voilà, nous avons fini tout cela. Ok. Alors, une petite présentation PowerPoint. Ok. Et voilà, ça c'est similaire à la vidéo numéro 2, je pense. Voilà, ce sont les expressions avoir et voilà. Et avoir plus avoir faim et avoir soif. Hein? Remember, these are not in your book. They were in the last edition, but then they forgot to put them in this edition. C'est un peu bizarre. Ok. Alors l'image numéro 1. Ok, numéro 1, elle a chaud ou elle a froid? Elle a chaud ou elle a froid? Elle a froid, c'est ça, she's cold, elle a froid. Okay. Ici, il a froid ou il a chaud? Il a chaud, c'est l'opposé, c'est le contraire. D'accord? Ici, il a chaud ou il a faim? Il a faim, regardez, donc, il a faim ici. Et ici, il a faim, il a chaud, il a froid, ou il a peur. Il a peur. Donc, oui, il a peur, c'est ça. Ah, et lui? Il a peur, il a chaud, il a froid, il a faim. Il a faim. Il a faim, et lui, il a peur. Voilà, donc il a peur, bien sûr. Ok, maintenant le contraire. Donc, il a faim ou il a soif? Il a soif. Voilà, c'est ça. C'est l'opposé. Donc, c'est il a soif. C'est ça. Okay, donc, il a soif. Et après, ici? Il a soif. Ok, voilà. Il a soif, c'est possible. Il a chaud. Voilà, ça, c'est possible aussi. Deux possibilités. Il a soif et il a chaud. Okay. Et ici? Ok. Alors, voilà, il a faim. Voilà, il a faim, possibilité 1, possibilité 2, il a soif, c'est possible aussi, possibilité numéro 3, il a chaud, n'est-ce pas? Well done, man, right? Donc voilà, 3, il a chaud, c'est possible. Et question numéro 4, sommeil, il a sommeil, oui ou non?
Il a sommeil, oui ou non? Oui. Non, je ne pense pas. Il a faim, oui. Il a soif, oui. Il a chaud, oui. Mais sommeil, non, il n'a pas. Il n'a pas sommeil. Il n'a pas sommeil ici. Ok. Et ici, elle a chaud ou elle a sommeil? Elle a sommeil. Ici, oui. Elle a sommeil, par exemple. Oui, c'est ça. Ici, il a raison ou il a tort? Il a tort. Alors, regardez. 2 plus 2 font. La réponse? 4. Très bien. Donc, il a raison ou il a tort? La réponse? Il a tort. Il a tort. Donc, c'est incorrect. Ok. Numéro 2. Il a raison ou il a tort? Donc, voilà les maths avec un S. En français, c'est avec un S. Okay. 4 plus 4 font. 8. Okay? Donc ici, il a raison ou il a tort? Il a raison. He's right. Okay? Ici, numéro 2, répétez la classe. 3 plus 7 font 10. Il a raison ou il a tort? Il a raison. Répétez. 9 plus 2 font 11. Il a raison ou il a tort? Il a raison. Donc, la conclusion, il a raison. C'est ça, il a raison. Ok, et finalement, il a besoin d'un stylo ou un crayon? C'est ça, très bien. Répétez la classe, un crayon. Il a besoin d'un crayon ici. What does that mean again? Il a besoin d'un crayon. He needs a pencil. Il a besoin d'un crayon. He needs a pencil, c'est ça. D'accord? Ici, il a quel âge? Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Il a plus, n'est-ce pas? Il a 22 ans. Voilà les bougies. On va compter. Répétez la classe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, vous continuez. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, quel âge a-t-il? Très bien, il a 24 ans. 22 ans, non. Il n'a pas 22 ans. Le contraire, il a 24 ans ici. Ok, elle. Elle a faim? Elle a soif? Elle a chaud? Elle a besoin d'un crayon? Elle a 20 ans? Allô, la réponse? Elle a froid. She's crying off her towel. Donc voilà, elle a froid ou aussi elle a peur. Répétez la classe, elle a peur. Voilà, c'est le film de Hitchcock. Donc, comment s'appelle le film? Psycho, oui, c'est ça, c'est le film Psycho. Donc voilà, ici, elle a peur. Là. Ok, une petite vidéo. Comment s'appelle une artiste mexicaine, actrice mexicaine, qui commence avec un S? Répétez. Commence avec un S. C'est une actrice mexicaine et ça commence avec un S. Salma Hayek, c'est ça. Ok. Il y a une petite vidéo, okay, une petite vidéo de Salma Hayek. Et la question, elle a froid, elle a chaud, elle a peur, elle a faim, elle a sommeil, etc. Donc, quelle est la réponse ici? Okay, regardez la vidéo et on commence ici. Oh my God, I'm not gonna come in here. Oh. Somebody do something. No! Thank you so much. It's on the way. It was like a python. But it was this thick. Donc voilà, à la réponse, elle a peur, n'est-ce pas? Elle a peur. Ici spécifiquement, elle a peur des serpents. Elle a peur des serpents. Répétez la classe des serpents. Serpents. Voilà.
Serpent. Voilà. Elle a peur des serpents ici, dans la vidéo. Donc, voilà. Est-ce que vous avez peur? Vous avez peur des serpents? Des serpents? Qui a peur des serpents? Il dit oui, j'ai peur des serpents. Voilà, une personne honnête. Moi aussi j'ai peur. Il dit non, je n'ai pas peur des serpents. Je n'ai pas peur. C'est des reptiles. Moi je n'aime pas. Je n'aime pas les serpents. Mais et voilà, la vidéo de Salma Hayek et la peur des serpents ici. D'accord, ok, après la pause café, et nous allons continuer avec le vocabulaire à la fac, et après les expressions avec l'air. D'accord, donc voilà, 15 minutes pour aller aux toilettes, ou prendre un petit café. Aussi j'ai des bretzels au chocolat, donc si vous voulez des bretzels au chocolat, je les laisse là. Dans 15 minutes, donc la pause est finie à 10h20. À 10h20. Okay. Donc 15 minutes pour la pause. Et voilà, prenez des chocolats. Et now I will eat them all. And that's not good. There's still a few more days of summer left. They're really good. They're all good too. I just want one. Yeah, I like the chocolate one.